Nathalie Sarraute, enfance. Citation. Alors, tu vas vraiment faire ça? Évoquer tes souvenirs d'enfance? Comme ces mots te gênent. Tu ne les aimes pas, mais reconnais que ce sont les mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs. Il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. Oui, je n'y peux rien. Ça me tente. Je ne sais pas pourquoi. Ce vers quoi nous allons, ce qui m'attend là-bas possède toutes les qualités qui font les beaux souvenirs d'enfance, de ceux que leur possesseur exhibe d'ordinaire avec une certaine nuance de fierté. Et comment ne pas s'engorgueillir d'avoir eu des parents qui ont pris soin de fabriquer pour vous et de vous préparer de ces souvenirs en tout point conformes aux modèles les plus appréciés, les mieux cotés. J'avoue que j'hésite un peu. En tout cas, rien ne m'en est resté. Et ce n'est tout de même pas toi qui vas me pousser à chercher à combler ce trou par un replâtrage. Mais comment, par où la saisir pour la faire tant soit peut revenir cette nouvelle vie, ma vraie vie? Fais attention, tu vas te laisser aller à l'emphase. Ne te fâche pas. Mais ne crois-tu pas que là, avec les roulements, ces pépiments, ces tintements de clochettes, tu n'as pas pu t'empêcher de placer un petit morceau de préfabriqué? C'est si tentant. Tu as fait un joli petit raccord, tout à fait en accord. Oui, je me suis peut-être un peu laissé aller. Sois juste. Il lui est arrivé pendant cette maladie de venir s'asseoir près de ton lit avec un livre. C'est vrai. Je le sais maintenant, mais ce n'est pas ce qu'on m'avait dit et que je croyais encore. Ce que je crains cette fois, c'est que ça ne tremble pas assez, que ce soit fixé une fois pour toutes, du tout cuit, donné d'avance. Rassure-toi pour ce qui est d'être donné. C'est encore tout vacillant. Aucun mot écrit, aucune parole ne l'ont encore touché.